de bleu chiant les pins à bleu colorectal. Je peux la regarder vraiment entre les deux. À bleu colorectal. Ici, l'heure est aux répétitions. Alors que depuis fin octobre, les salles de spectacle sont vides, le moment est venu pour le théâtre bruxellois Le Public de se réinventer. On ouvre un quatrième lieu, si je puis dire, à Saint-Josse, qui est une scène en plein air. On pourra accueillir dans un premier temps 50 personnes, c'est la loi, respecter la loi. Et puis dans un deuxième temps, plus de monde, on espère, parce que il faut reprendre la parole. Ça suffit que les lieux de débat et les lieux de culture soient fermés. On nous donne une petite fenêtre, on l'ouvre et on y va. Pour ce faire, le parking du théâtre sera transformé en salle de spectacle à ciel ouvert. On pourra ainsi y accueillir les spectateurs dans le respect des conditions sanitaires. Il faut un peu d'imagination. Derrière moi, vous voyez là, on va faire un plateau qui va faire à peu près 4,50 m de profondeur sur toute la largeur. Ça fait quand même 14 mètres de cette hauteur-là. Et puis ici, on a la porte du garage, mais qui sera ouverte pour que les gens qui passent puissent voir aussi le spectacle. Ça va être très vivant. L'un d'entre vous va mourir. Rien que dans ce théâtre, environ 200 personnes ont perdu leur emploi. Pour le directeur de l'établissement, ouvrir cette quatrième salle extérieure est donc une nécessité. On a décidé de reprendre tous les spectacles qui avaient été annulés ou interrompus. Mais en plus de ça, on veut redonner la parole, de l'espoir, une dynamique et du lien avec le citoyen. Ici se produiront les artistes de garde du théâtre, mais pas seulement. Entre avril et septembre, environ 80 artistes se succéderont sur les planches de cette salle extérieure improvisée. Comme je choisis de...